Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle journée de direct depuis la foire de Châlons, avec un programme très chargé aujourd'hui. En fin de journée, le concert de Patrick Sébastien, tout le monde va s'amuser. Et puis, bah, comme chaque jour, on se retrouve au Pavillon du Futur, l'un des lieux emblématiques de cette foire. Vous ne pouvez pas rater ce dôme qui est à l'extérieur, bien sûr, de la foire. Et pour nous parler du programme de la journée, Arnaud Bassery du Bloc, organisateur de tout ce qui se passe ici. Une journée sur le thème Marne 2025. Marne 2025, alors bonjour à toi, bonjour à vous. Alors, on a rencontré René-Paul Savary à différentes reprises, notamment avec Quartier Libre. Et on a constaté plusieurs choses. La première, c'est que la décision politique était assez éloignée des décisions, enfin de ce que vivent les gens sur leur territoire. On a décidé, pour se projeter en 2025, de réfléchir à un truc un peu différent, un concept un peu nouveau qu'on expérimente dans ce dôme qui est dédié à ça. Et toute la journée, on a 10 personnes qui composent la Team M25 et qui seront accompagnées par 5 coachs, chercheurs, sportifs, artistes, communicants et un collaborateur des cabinets. Ils vont devoir réfléchir ensemble à comment sera la Marne en 2025. Et du coup, nous faire une restitution dès ce soir, 17h, ici même, sur l'objet de leur réflexion et le sens que leur discussion ont. Parmi les exposants, les participants à cette journée, l'association Wildou avec un concept très original, Casimir Jean-Roy Chasseux, ce pop fab, qu'est-ce que c'est ? Alors le Pop Fab, c'est un dispositif qu'on a mis au point, qui est un Fab Lab mobile, c'est-à-dire un laboratoire de fabrication. Donc c'est, comme vous voyez, deux étagères sur lesquelles on va trouver différents types de ressources. Et le but est que les personnes puissent s'approprier, par exemple, les imprimantes 3D, de façon à pouvoir réaliser leur projet. Et ce Pop Fab est là aujourd'hui à la foire de Châlons, parce que le réseau des médiathèques départementales, donc le conseil général, souhaite s'équiper de ce genre de dispositif pour faire une exposition itinérante dans les différentes médiathèques de son réseau. Alors il y a impression 3D, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à découvrir sur ce pop-up ? Alors il y a trois types de ressources. Vous avez donc une bibliothèque, donc ça on l'a conçu dans l'idée de justement pouvoir avoir un média qui fasse référence aux bibliothèques, donc les lieux dans lesquels le pop-up va se déployer. Avec des livres sur la culture maker, sur les Fab Labs, des tutoriels aussi pour apprendre à imprimer en 3D, donc des choses assez concrètes. Vous avez ensuite la partie atelier avec des machines et des objets réalisés, donc c'est-à-dire que c'est vraiment un dispositif opérationnel. Vous pouvez prendre un livre, apprendre à imprimer en 3D et imprimer en 3D dans votre médiathèque. Vous avez également des ressources plus pédagogiques, on va dire, avec l'explication de comment fonctionne une imprimante 3D et également des objets qui ont été réalisés dans divers Fab Labs en France et qui sont exposés. C'est un projet ou c'est quelque chose qui va arriver dans les médiathèques de la Marne prochainement ? Alors là, vous avez le prototype qui a été réalisé donc, justement pour faire des tests, valider l'intérêt du public, valider que ça colle avec la volonté qu'il y a derrière le projet des médiathèques. Et puis, après la journée test d'aujourd'hui, on en saura peut-être un peu plus.